C'est Cassandra qui est de retour de la piscine. Oui, tu sais, quand on parle de faire une vidéo improvisée, je pense qu'on pense à cette vidéo-là. Oui, 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 oui. Première des choses, juste vous mentionner que je suis à la piscine tout seul. Je sais pas si on peut prendre ça pour un casse. Peut-être que t'as pas vraiment d'amis, hein? Je sais pas. Mais ouais, j'étais à la piscine toute seule. Alors, remarque que j'étais pas toute seule, j'étais quand même accompagnée de mon tabarnak de gros boutons. Genre, il y avait aucune chance que je me noie, là, parce que j'avais ma bouée de sauvetage. Je suis en plein milieu de mon front, oui. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'étais à la piscine toute seule. Puis, je peux te garantir qu'à la piscine toute seule, ça te fait réfléchir en tabarnak, dans le sens où t'es tout seul. Évidemment. Je veux-tu leur dire, j'étais à la piscine toute seule ou j'étais à la piscine accompagnée? On sait plus. Mais ouais, j'étais assise sur ma serviette. Puis, tout ce que j'avais à faire, à part me faire bronzer, c'était de penser d'être tout seul à la piscine, d'avoir rien à faire, puis de juste avoir à penser. Ça m'a fait réfléchir sur plusieurs points. Je sais pas trop pourquoi, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de faire une vidéo. Fait que c'est ça, je fais une vidéo. Ça paraît-tu? Avez-vous remarqué que je suis en train de faire une vidéo? Parce que j'ai bien le feeling que je suis en train de faire une vidéo, là. Je suis revenue chez moi, puis j'avais juste comme pas envie d'attendre. Je me suis dit, fais ta vidéo, bitch! Fait que j'ai mis un peu de cachet sur mon bouton, j'ai mis du petit rouge à lèvres, puis teint, oui, est-ce que je suis prête pour faire une vidéo? En fait, j'étais assise toute seule puis je regardais tout le monde puis j'ai eu la pensée à me dire est-ce qu'on est tous différents? Puis quand j'étais jeune, j'ai eu des gros problèmes alimentaires mais genre intenses. J'ai comme été un peu, ben pas un peu, j'ai été anorexique. Dans le passé, c'était vraiment extrême puis ça faisait vraiment partie de moi. Mais aujourd'hui, c'est sûr que je suis complètement libérée de ça. Ben je pense que quand t'as des problèmes alimentaires, tu peux jamais dire que t'es complètement libérée de ça. Je pense que ça reste toujours malgré toi. Mais je sens que ça fait pas partie de ma vie, disons. Ça a déjà fait partie de moi, ça va toujours faire partie de moi, mais ça fait pas activement partie de ma vie. Mais tout ça pour dire que je me suis questionnée à me demander pourquoi dans ma vie j'ai eu des problèmes alimentaires puis pourquoi que je me comparais autant. Puis on dirait que j'étais assise sur ma serviette puis j'étais à la piscine puis je regardais tout le monde puis je me disais yo, on est tellement tous différents. Puis c'est là que je me suis dit à quel point j'aurais jamais vécu tout ça, genre tous mes troubles alimentaires, s'il y avait pas de standard de société en termes de beauté. Puis c'est pas vrai qu'il y a pas de standard de société comme il y en a. S'il y en avait pas, j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu dans mon passé comme d'anorexie parce que j'aurais jamais voulu ressembler à quelque chose. Ensuite, je pensais aux réseaux sociaux, puis c'est là que je vais en venir, puis on peut pas passer à côté, je pense, parce que ça fait tellement partie de notre génération, puis je trouve qu'on est tellement dans une ère où est-ce qu'il faut se protéger, parce que à toutes les secondes de notre vie et dans toutes les sphères de notre vie, maintenant, on peut se comparer. Je pense que si tu connais pas ta valeur, ta propre valeur, ben c'est crissement facile de se comparer aux autres, surtout sur les réseaux sociaux. Puis je trouve qu'on l'oublie souvent, mais dans la vie, on a vraiment le choix des modèles qu'on a envie de suivre, puis je trouve que ça s'applique bien autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, comme dans le sens où on a le choix de s'abonner à quelqu'un, on a le choix de se désabonner de cette personne-là, puis on a le choix de suivre des modèles qui nous inspirent pour vrai dans la vie quotidiennement. Je pensais, puis je me disais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne serait une bonne influence ou une bonne personne à suivre sur les réseaux sociaux qui, mentalement, me ferait du bien? Puis je me suis dit, si je suis abonnée à quelqu'un, je devrais jamais, au grand jamais, me sentir inférieure à cette personne-là. Puis je pense que dès l'instant où est-ce que tu regardes un compte Instagram et t'as l'impression que t'es inférieure à cette personne-là, je pense que c'est là que c'est malsain, que c'est là que tu devrais faire genre fuck that shit, man, je me désabonne de cette personne-là. Tu sais, je pense que des fois, c'est bon de revenir aux sources aussi, de se dire qu'on est tous différents, mais en même temps, on est tous pareils. Puis je sais que c'est super quétaine, puis je sais qu'on le répète, puis on l'aurait dit. Mais comme moi, j'ai une chier un gros crise de tas. Puis même que, sans fucking joke, là, ça c'est fucking gênant, mais c'est fucking la réalité, j'ai bouché mes toilettes. Genre, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas quoi faire parce que mes toilettes sont bouchées en ce moment, puis l'eau est à ça de déborder. Mais comme, ce genre de situation-là, ça arrive pas juste à moi, ça arrive à tout le monde. Ça t'arrive à... Ben, ça t'arrive peut-être pas à toi en ce moment, mais ça arrive à tout le monde, pas tout le temps. En tout cas, ce genre de situation-là est particulière, mais je veux dire, on chie tous. Garde, ça nous est toutes déjà arrivé de tacher nos bobettes quand on était dans notre semaine. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est tous pareils puis qu'on vit tous la même chose. Genre, il y a personne qui est supérieur à quelqu'un dans le monde. Personne. Peu importe son titre, peu importe son pouvoir, peu importe son nombre d'abonnés. Rien à chier. Même ma toilette bouchée, elle n'a rien à chier, tu comprends-tu? L'internet, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Genre, ça peut être le meilleur outil de ta vie, comme ça peut être l'outil le plus destructeur. Puis la chose qu'il faut vraiment que tu tiennes en compte, c'est qu'il y a personne qui va te le dire quand c'est trop. On dit dans la vie que c'est vraiment important de s'entourer de bonnes personnes, puis je pense sincèrement que ça devrait être la même chose pour les personnes que tu suis sur internet. Je pense vraiment juste qu'il faut faire la distinction entre une personne qui aura des répercussions positives sur ta vie, qui va faire en sorte que quand tu vas regarder son contenu, tu vas te sentir bien. Tu sais, en même temps, en ce moment, je peux avoir l'air négatif par rapport aux réseaux sociaux, mais au fond, il y a quand même une partie de moi qui est vraiment fière parce qu'il y a vraiment des gens qui sont fucking inspirants. En fait, je pense que ce qui serait important, puis ce que je t'invite à faire, puis je te parle en blanc des yeux, là, toi, là, je dis, je t'invite, si je parle même pas au vous, je dis toi, là, je t'invite à réellement prendre le temps de faire un ménage de tes réseaux sociaux, dans le sens où, regarde chaque personne que tu suis, une à une, puis pose-toi la question, pourquoi je suis cette personne-là? Est-ce qu'elle t'apporte d'une quelconque manière quelque chose? Point. Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non,
delete, fucking delete, man. Tantôt quand j'étais à la piscine, je pensais à ça, puis j'écoutais de la musique, puis je me disais, pour vrai, c'est un peu comme la musique, dans le sens où j'écoute de la musique qui me fait filer bien, de la petite musique comme toute joyeuse, parce que justement, ça me met personnellement dans un bon mood d'écouter ce genre de musique-là. Je me sens pas stressée, je me sens bien, et je pense qu'on devrait faire un peu la même chose avec les personnes qu'on suit. S'abonner à des personnes qui nous font filer bien, un peu comme si chaque personne qu'on suit, c'était comme une de nos tunes, genre. Ça a l'air super quétaine, mais comme, c'est un peu vrai. Tu sais, mettons, le monde qui aime full le métal, genre, le métal, eux, ça les fait bien filer. Moi, je déteste le métal. J'haïs ça. Pour une raison quelconque, le métal, ça me rend pas bien, Chris. Quand j'écoute ça, je suis comme, j'ai envie de virer pas, j'ai envie de m'arracher les cheveux, j'ai envie de mourir. Dans le sens où moi, si le métal était une personne sur Instagram, suivre cette personne-là, ça me ferait filer bad. Ça me servirait à rien de la suivre. Mais, c'est pas vrai que parce que moi, cette personne-là m'apporterait rien, elle n'apporte rien à personne. Parce qu'il y en a du monde qui aime le métal. Je sais pas si tu me suis, man. Man, j'étais partie là, à la petite buzz à piscine, toi et chaud. Mais d'une certaine manière, je trouve que c'est fucking vrai, puis je trouve que c'est vraiment important de suivre des personnes qui te font juste du bien, genre. Puis peu importe la raison pourquoi ces personnes-là te font du bien, genre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une personne que quand t'écoutes ses trucs, elle te fait rire. T'aimes ça, rire, point, pour ça, pas plus de questions. Elle te trouve inspirante parce que, écoute, elle met des photos d'elle en bikini, mais elle se modifie pas pendant des heures, puis tu le sais, ça se voit sur sa photo qu'elle se modifie pas, puis ça, ça t'inspire, ça te donne confiance en toi. Fine! Peu importe c'est quoi les raisons pourquoi tu suis une personne, si cette personne-là te fait du bien, pour ça, pas plus de questions. Si la personne ne te fait pas de bien, désabonne-toi. On dirait des fois que je me dis, tu sais, je suis bien, j'ai 25 ans, ça va, je sais qui je suis, je sais où est-ce que je veux m'en aller, je sais c'est quoi mes défauts, je sais que j'ai pas de cul, man, j'ai fait un esti de deuil, j'aurais jamais un esti de beau cul, qu'est-ce que je te dis, Carlis, qu'est-ce que je te dis? Ça fait partie de moi. Puis on dirait des fois que je prends un peu pour acquis, vu que je suis dans cet état d'esprit que tout le monde l'est aussi, mais genre, c'est pas vrai. Comme, il y en a des filles de 14 ans qui en ce moment vivent leur adolescence en grandissant dans les réseaux sociaux, pis que Chris sont pas bien dans leur peau. Pis je dis pas que c'est juste à cause des réseaux sociaux, mais je suis sûre à 100% que ça aide pas. Je veux pas dire que c'est juste l'âge qui est important, pis que genre, c'est parce que j'ai 25 ans que je file bien par rapport à ça, mais je pense que au vrai vieillir, ça aide à s'accepter, pis ça aide à réaliser que Chris, qu'on est beau, genre, on est beau avec nos défauts. Pis moi, honnêtement, avec le temps, j'ai juste réalisé que j'ai vraiment d'autres choses à faire dans la vie que me regarder pis pas m'aimer, genre. Je vais pas passer ma vie à me regarder dans le miroir pis à me dire genre « Asti que c'est lettre ça, asti que c'est lettre, asti que je suis lettre là matin. » Exemple, c'est un exemple qui peut avoir l'air banal, mais ça fait environ 6 mois, j'ai commencé à faire des grosses taches dans le cou, pis des fois ça apparaît plus que d'autres, mais comme ces temps-ci, sérieusement, j'ai l'air d'une vache, là, j'ai genre vraiment tout le temps des taches, pis il y a vraiment beaucoup de monde qui me dit genre « Voyons, Cass, t'as-tu une maladie? T'as comme des taches dans le cou. » Mais tu sais, moi, ça fait 6 mois que j'ai ces taches-là. Pis la première fois que je les ai vues, j'ai fait un ostisso, là. J'étais genre « Hey, tabouère, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, j'étais comme pas bien, j'étais genre « Voyons, je suis rendue avec des taches, t'sais, c'est un peu plate. » C'est drôle parce que hier, je me suis regardée dans le miroir puis je me suis dit, ben Chris, je suis peut-être juste rendue avec des taches. Hein. Puis je me suis dit, ben garde, ça sera ça. Puis c'est tout. J'ai passé un autre appel. Puis tantôt, j'y repensais puis je me suis dit, quand j'y repense, je suis contente. Je suis contente de pas m'être dit, arc, genre, je vais-tu vraiment avoir des taches toute ma vie dans le cou? Puis que je me suis juste dit, ben garde, ça sera ça, tu sais. Puis ça change aucunement la personne que je suis. Tu sais, c'est un exemple banal, mais en même temps, quand j'y pense, si dans ma vie, j'avais réagi de même à toutes les sphères de ma vie, à chaque fois que je m'étais regardée dans le miroir puis j'avais pointé quelque chose sur moi que j'aimais pas, ben aujourd'hui, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. J'aurais certainement pas eu de problème d'anorexie. Comme il y a tellement de fois où est-ce que mentalement, je me sentais tellement faible parce que genre, je manquais d'estime pour moi-même. Ben genre, tous ces moments-là, je les aurais peut-être juste même pas vécu. Mais c'est inconscient, j'ai réagi comme ça hier, de manière inconsciente. Je me suis pas dit genre, Cass, il faut que tu t'acceptes comme que t'es. Mais je trouve ça beau de voir que petit à petit, je commence à juste give up sur le fait que je serais jamais parfaite, genre. Aussi, je trouve que c'est un bon point sur les réseaux sociaux, mais il faut vraiment arrêter de mettre des photos parfaites. Il y a rien de plus beau qu'un Instagram vrai, point. Je comprends pas à quel moment ça a été populaire d'avoir un feed parfait. Je comprends pas. Il y a tellement de monde qui pose juste des photos parfaites, puis genre, moi aussi j'ai déjà posté, puis j'en pose des photos que je me trouve belle, mais que la photo veut rien dire. La photo est vide. Il y a pas d'émotion, il y a pas de souvenir. Si je regarde ces photos-là dans 10 ans, cette photo-là va me rappeler fuck all, genre. Tu comprends-tu? Moi, je dis que le feed parfait, ça devrait être des photos de toi avec du monde que t'aimes, des photos qui te rappellent des bons souvenirs, des photos qui te font du bien, puis j'oserais même dire, tabarnak, une photo de toi avec une graine d'un dent. On s'en fout du feed parfait. L'important, c'est que ton feed te fasse sentir bien. Fuck la perfection, fuck la calice de perfection, fuck la perfection, tabarnak. Puis aussi, fuck, me questionner sur ce que je mange puis sur ce que je bois matin, midi, soir. Fuck that shit. J'ai décidé que non, ça ne tente plus. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la pire chose d'être mal dans son corps puis d'essayer d'être une version
de soi-même qu'on se rejuge jamais, genre. Fait que fuck se questionner à est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que j'en ai pas pris, est-ce que j'ai le droit de manger ce gâteau-là? Ouais, fais ce que tu fucking veux. On s'en tabarnak que tu prennes du livre, comprends-tu ma bonne chum de fille? Dans le fond, je me fais un message pour moi. Mais sincèrement, ça fait du bien de se libérer de ça, genre de se libérer de la pression sociale qui est pas juste sociale parce que au final, c'est une pression qui vient de nous-mêmes aussi. Ouais. Bref, aujourd'hui, j'ai juste envie, sincèrement, qu'on se fasse la promesse ensemble de s'aimer, puis de suivre des personnes qui font en sorte qu'on s'accepte, puis qu'on a envie de rester nous-mêmes. Merci Internet! Ben, c'est une vidéo plus sérieuse qu'à l'habitude. J'espère que vous êtes pas genre calice de casse pis c'est une vidéo sérieuse, parce que j'en fais pas souvent des vidéos sérieuses, mais je trouve que des fois, ça fait du bien, même pour moi. De vous parler, ben franchement, Chris, de comment je me sens. Puis aujourd'hui, c'était mon feeling. Puis je pense que je suis peut-être pas nécessairement la seule qui se pose des questions par rapport aux réseaux sociaux. Puis ça fait tellement partie de notre génération que je pense que c'est vraiment bien de s'en poser. Fait que conclusion de la vidéo, il fait chaud là. Ah ouais, avec mon ring light autour de moi, je peux te garantir que j'ai un crack de cul mouillé. Il est temps que cette vidéo se termine. Au revoir! Est-ce qu'on a vu mes bobettes?